Bonjour tout le monde, c'est Dr. Lully, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série de Let's Build a Village, et en particulier la première partie de l'épisode, puisqu'on va construire un château qui est quand même une construction assez, pas énorme mais je dois dire, assez complexe et grande, et voilà, donc ça se fera en plusieurs parties, et donc petit débriefing du premier épisode tout d'abord, où nous avons fait le schéma de la ville et on a organisé l'espace en fonction de ce qu'on allait faire, etc. Je vous ai donné 2-3 trucs, entre autres conseils très importants qu'on va aussi utiliser pour toute la ville, donc pour certaines constructions aussi, donc faut absolument l'appliquer. Je vous la rappellerai à chaque épisode. C'est commencer par le centre et toujours se dire par quoi on va commencer. Très important. Alors ici en l'occurrence, on va commencer par les tours. Donc voilà, vous pouvez voir sur le schéma que je viens d'afficher à l'écran. Donc il y aura 4 tours aux extrémités et le reste relié par des murailles et comment dire, je vais y arriver, je vais y arriver. Une ouverture, voilà, enfin, une ouverture dans l'enceinte qui nous servira à faire passer les gens, on va mettre une grille, des choses comme ça, enfin on verra ça un peu plus tard. On va d'abord s'attaquer dans cet épisode au tour, et voilà, j'ai déjà une petite idée de ce que je veux faire, on va essayer de développer ça maintenant. Oui, par contre, je vais me donner mes droits d'administrateur pour remettre... Voilà, le jour, sinon ça ne va pas aller. Et je propose qu'on fasse le château sur cette petite colline qui se trouve juste ici. Je vais juste baisser un tout petit peu les graphismes. Roddy Chung, voilà, c'est pas mal. Oui, donc sur cette petite colline. Alors, une tour, ce sera quand même assez grand, mais ça va encore. Je vous demanderai tout d'abord de prendre du bois bûche normal. Enfin, la couleur, ça dépend un peu de vos préférences. Et de la stone brick. Où es-tu, voilà. Et nous allons faire une tour assez grande, je veux dire. Attendez, on va juste aller un peu vers là. Voilà. Donc on va commencer notre tour par ici. Voilà. C'est une forme que j'ai déjà utilisée auparavant qui était pas mal. Pour faire des tours, ça rendait pas mal du tout. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai des lags aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Je vais juste vérifier quelque chose. Je pense que c'est à cause de ça. Ouais. Le PC est en économie d'énergie. Ça devrait se rétablir d'ici quelques secondes. Parce que c'est un portable et il y a toutes des sortes d'options pour... économie d'énergie, performance élevée, etc. Donc, c'est un peu foireux là, comme truc vraiment. Voilà, vraiment les lags ont disparu. Enfin, du moins ici à l'écran, je ne lag pas du tout. C'est très fluide. Et voilà la forme de notre tour. Donc voilà, une tour assez imposante, mais qui je pense sera de bonne taille pour la construction que je souhaite faire. On va aussi s'attaquer à la structure des murailles, parce que sinon on ne saura pas lier les tours entre elles, et on va faire ça plus tard, ce qui sera un peu dommage. Pour la muraille, j'y ai aussi un peu pensé il n'y a pas longtemps, et je pensais faire donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ici, l'ouverture sera là. Et donc comme je l'ai expliqué tantôt, donc le rectangle sera long, donc la longueur, largeur, longueur, largeur, avec ici l'ouverture. Donc 3. Ensuite ici, on va mettre un pilier. 1, 2, 3, 4, 5. Pilier. Ici, l'ouverture. 1, 2, 3, 4, 5. Pilier. On les supprime. 1, 2, 3, 4, 5. Pilier.
Et après, bah, une, deux, trois qui va mener à la dernière tour. Si je ne me suis pas trompé, ça devrait être parfait. Oui. Déjà commencer la forme. Voilà. Ensuite. Exactement la même tour en fait, ce sera 4 tours identiques parce que on peut faire des tours qui, enfin, un château qui n'est pas symétrique ou alors des tours qui sont différentes, mais je pense que le château ne sera pas assez grand et imposant pour en faire d'une telle envergure, donc avec tant de styles différents, etc. Faudrait faire ça sur un plus grand, voilà, je vais faire ça peut-être dans quelques semaines, on verra bien. Je vais y arriver. Où est-ce que j'en étais? Donc ici, ce sera la première partie de structure. Évidemment, la muraille, on fait les deux côtés. Et là, ce sera différent parce qu'on va rajouter encore deux de cinq. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, on continue toujours sur le pilier 3. Tac. 5, tac, 1, 2, 3, 4, 5, tac, 1, 2, 3, 4, 5, tac, 1, 2, 3, 4, 5, tac, et il faudra 5 comme ça, donc 1, 2, 3, 4, encore 1, 1, 2, 3, 4, 5, tac, tac, après on met celui de 3 pour terminer. Et là, on n'aura plus qu'à faire ma forme de la dernière tour. Je vais vite faire ça hors caméra et je reviens tout de suite après. Donc voilà, j'ai terminé la forme et on peut voir un peu comment va être notre château. Donc voilà, il prend une distance assez grande. Enfin, ça va encore, voilà. C'est pas un grand château, mais il n'est pas tout petit non plus et il sera d'une envergure assez grande pour le village, je pense. Donc on va s'attaquer à une tour, je ferai les autres hors caméra et je vous montrerai un peu le résultat que ça donne. Donc on va prendre celle-ci comme celle de référence avec... Donc quand vous faites quelque chose comme ceci, toujours prendre un étage de référence. Donc ici, a priori je vais prendre celui-ci. Donc à partir de celui-ci, on va prendre... Enfin on va faire la première tour et on va faire la même distance des autres côtés. Donc on va prendre ce bloc-ci comme bloc de référence. Et... je vais faire donc tout d'abord 16 de haut. Donc là c'est déjà 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Là c'est de 1 aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La même chose des autres côtés. Voilà. Je vais faire juste une partie, voilà, le reste vous pourrez reproduire encore. Alors, vous allez prendre maintenant des escaliers en stone brick, voilà. Des demi-dalles en stone brick toujours. Vous allez également prendre de la cobblestone. Les trois sortes comme la stone brick, donc escalier, demi-dalles et bloc complet. Aussi des barrières. Et je pense que ça devrait aller. Donc ici, on va faire un dessus de muraille, enfin dessus de tour ouvert, donc ça sera pas fermé et qui sera connecté à la muraille pour se déplacer tout autour. Donc je vais faire un truc un peu basique. Je crois que c'est le même que Trail 3 ou presque le même. Donc sur le 16e bloc, on met les escaliers à l'envers comme ceci, dirigés vers l'extérieur et en bas. Et on va poser dessus un bloc complet.
comme ceci. Voilà. Et ensuite, bon, on va faire un petit dégradé, donc faire un petit dégradé en quelque sorte, je sais pas, voilà, comme ceci. Vous voyez vraiment comme dans le château fort. Hop, et juste en dessous. Qu'est-ce qu'on va faire en dessous? Je réfléchis. Oui, on va d'abord s'attaquer ici, donc on va faire ceci, ensuite ceci. Oui, pourquoi donc c'est à décaler dehors, donc c'est bon. On fait la même chose de l'autre côté. Et donc on tombe ici vraiment sur un petit dégradé assez joli qui sera le dessus donc de notre muraille, tout au-dessus. Alors, ici on va mettre des blocs complets. Là, un escalier à l'envers. Et finalement, en dessous de ces deux blocs-ci, des escaliers à l'envers également. Voilà, ça c'est fait. Juste ici, on va mettre un bois qui sera tourné à l'envers et aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qui sera comme ceci. Vous voyez, comme ça donne un petit effet de profondeur. Et on va rajouter par-dessous un bloc en cobble qu'on va relier au bois grâce à une barrière. Ça fait un petit effet assez joli. J'aime bien. On va remplir une grosse partie avec de la stone brick. Comme ça va nous permettre de structurer un peu comme on veut et de voir comment ça va rendre pour changer les petites choses en dernière minute. Voilà, c'est vraiment notre base. Là, ce côté-ci, on le fera plus tard. Donc, on va rajouter un bois comme ça. Ensuite, un escalier. On en met deux à l'envers, j'ai dit, à l'intérieur. Et on va la mettre à de stone brick stab. On passe à, on remet la stone brick stab. On remet des escaliers en cobble qui sont à l'envers. Et là pour finir, on fait donc une symétrie orthogonale en divisant en deux et on fait la même chose. On met là une barrière pour caler en attendant. Et donc voilà, cette partie-ci est terminée. En dessous, on va mettre un escalier en cobble, un de bois. Cette fois-ci, on va pas faire de la profondeur, sinon ça va faire un trop gros changement si on le met là avec la stone brick, ça le ferait pas. Enfin, ça ne va pas de faire ressortir quelque chose, puis de le renfoncer. Ici, je préfère faire quelque chose qui va donner l'impression de soutenir la muraille. Donc qui va plutôt venir vers l'extérieur, qui donnera un effet vraiment, qui donnera vraiment l'effet de. Voilà, c'est vraiment le truc qui soutient la muraille, qui va permettre de la laisser venir debout, quoi. Donc, on va mettre du bois. On met à l'envers des escaliers stone brick des deux côtés. Là on va laisser un vide pour mettre des torches pour un peu illuminer. Et là on en retourne ainsi. Non. On en retourne juste à en tout. Et on rajoute de la stone brick vers là. Et ce sera différent parce que après celui-ci, on va mettre de la cobble dans le bon endroit. Et en dessous terminé par des blocs de cobble. Donc ça donne un petit effet genre ça soutient un peu la muraille. Je trouve ça très sympa. Alors maintenant on va s'attaquer ici, ce sera une partie plus simple je pense. Donc le bloc de référence était ici, ce qui veut dire qu'on va supprimer cela comme si là c'était à zéro. On va remplir avec ceci jusqu'à une certaine hauteur et on va commencer voilà, pour avoir un petit effet, pour voir un peu comment je vais faire, comment la place que j'ai. Donc on avait juste cette partie ici, juste ici je propose qu'on mette un bloc entier
là aussi, et que en dessous de celui-ci, ça. Comme ça peut être pas mal, ouais. Ouais, ça sent pas mal. Et là, alors on en met un pour faire un petit dégradé. Parfait. Hop. Voilà, franchement, ça donne pas mal du tout. Et ouais, là, on va faire comme là. Et on va faire ressortir du bois. Donc, on va le faire de cette façon. Ça me sort pas mal. On va mettre un escalier de cobble juste en dessous pour faire un petit rappel de style. Et ouais, ça sort pas mal du tout là. Juste un truc qui dérange peut-être un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. On va rajouter des barrières. Et là, franchement, ben, voilà, ça donne pas mal du tout. Alors maintenant, on s'attaque au reste. Donc ici, c'est au niveau 0, on va rajouter des escaliers. Et là, on va mettre du bois pour faire un petit rappel. Faire un peu une espèce de renfoncement. Disons 2, 3. On peut essayer comme ça. Va voir ce que ça donne. Ça donne plutôt bien, mais je pense qu'il faudrait remonter de A. C'est-à-dire qu'on va mettre ceux-là là. Là. Et celui-là, on va le foutre là. Là, ouais, ça rend vraiment parfaitement ça. Donc là, vous voyez déjà la structure principale. Et là, évidemment, on ne peut pas laisser ça comme ça, vide. Et on va remplir derrière. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour pas que ça fasse trop? On va essayer avec du bois bûche normal pour voir ce que ça donne. Ça peut rendre pas mal. Ouais, franchement, ça rend pas mal. Parce que ça fait un rappel de bois. C'est le bois bûche donne une impression, je trouve, de solidité, vraiment, une impression que voilà, c'est du dur. On a notre dessus. Franchement, c'est parfait. Je vais terminer la tour d'ici hors caméra et on va voir un peu le résultat et peut-être terminer un peu l'intérieur et faire des choses comme ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé la réalisation de l'extérieur de la tour. Juste une petite chose, c'est que je vais prendre un bouton comme ceci en pierre que je vais déposer ici parce que ça fait ça donne beaucoup mieux puisque ça fait un petit rappel de pierre dans le bois. Sinon ça fait trop gros changement de couleur et en plus ça rappelle là au-dessus donc c'est parfait. Alors pour l'intérieur, comme vous pouvez voir, j'ai fait ici un sol avec de la stone slab par rapport au bloc de référence qui était celui-ci. Donc c'est vraiment le sol, donc le bloc de référence est juste là. Et je laissais un trou au centre qu'on va augmenter, donc c'est ce qui va nous permettre de mettre des échelles. Parce que faire des escaliers, ça nous prend trop de temps et au final, ça ne donnera pas si bien. Donc les échelles, c'est encore plus rapide, etc. Et c'est mieux pour un château médiéval. Donc voilà, on arrive à hauteur des piliers ici. C'est parfait. Alors pour le sol, moi je vais faire à cette hauteur-ci. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi à cette hauteur? Parce que si on le met là, on est trop, il y a des risques de tomber, etc. Et ça donne pas bien. Donc voilà, si on met ici, ben, voilà, c'est parfait, on ne peut pas tomber, etc. Et voilà, donc on va recouvrir toute la surface ici.
Et alors, je ferai les 4 tours, comme celle-ci, pour le prochain épisode. Et en même temps, vous verrez ça dans la miniature de la vidéo. Donc voilà, je vais le faire pour la miniature de la vidéo. Et en même temps, pour le prochain épisode, comme ça sera pas mal. Et dans le prochain épisode, on va donc s'attaquer... Que je dise pas de conneries, muraille. Ouais, muraille, ce serait pas mal. Voilà, pour ici, on s'arrête là et on touche vraiment à rien. Pour ce qui est de là où ça va se raccorder à la muraille, on fera ça par plus tard. Ici, on va laisser des espaces pour les échelles. Voilà, parfait. Oui, pour ce qui est du micro, il y a peut-être des petits problèmes. C'est parce que j'ai pas encore fini de bien le calibrer parce que voilà, Fraps n'a pas une fonction intégrée, je dois donc le faire avec Windows et je dois faire beaucoup de tests, donc vous allez me dire un peu comment c'est au final. Et je vais essayer au final d'arriver à la qualité maximum du micro que je peux avoir, un peu comme Zelvac, qui a d'ailleurs le même micro que moi, c'est exactement le même d'ailleurs. Au début je me disais ouais non 57 euros ça peut être de la merde étant donné que beaucoup de micros sont très chers genre 200 euros. Puis j'ai finalement regardé la vidéo de Zelvac qui indiquait dans son espace de travail que son micro il était T-Bone SC440 USB. Je me suis dit ah bah en fait c'est quand même un bon micro quoi parce que pour arriver à cette qualité pour pas trop cher en plus donc voilà. Là, vous avez plus de détails dans à propos de ma chaîne. Donc voilà, les murailles des quatre côtés, des ouvertures pour monter. Quand on fera les murailles, on va définir un petit espace où on fera un étage, mais on fera ça vraiment en même temps que les murailles pour pas faire de conneries, on va pas faire de défauts pour l'instant. Donc on a fini notre tour, on a fait le dessus, c'est parfait, ça rend bien, c'est joli, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Voilà, ça ira franchement bien avec notre village. Alors écoutez, bon, on va se retrouver pour la partie 2 de l'épisode 2 du château dans le prochain épisode. Et écoutez, d'ici là, portez-vous bien et salut!